À ton nom, ce geste pourrait bien devenir de l'histoire ancienne. Désormais, pour payer son stationnement, tout le monde pourra sortir son téléphone. Le but, simplifier la démarche des automobilistes, mais également des policiers municipaux. Un administré qui dispose d'un ticket payé par PayByPhone avec une validité en zone verte. Alors, en ce qui concerne le contrôle sur le terrain, effectivement, l'application est très simple d'utilisation. Il suffit pour contrôler si la personne a réglé son stationnement de rentrer son numéro d'immatriculation dans l'application et on nous indique tout de suite si la personne a réglé ou pas. L'avantage de cette application, c'est qu'il n'y a pas de contestation possible. Plus de contestation, plus de pièces, mais plus de tickets non plus. Fini le stress de l'heure qui tourne. Le paiement peut se faire à la journée, à l'heure ou même à la minute. Il suffit de créer un compte et rentrer ses coordonnées bancaires. L'application s'ouvre automatiquement avec la zone tarifaire correspondant à son emplacement. Tonon fait figure de précurseur dans le domaine. Dans le département, elle est la seule à utiliser cette application. Ça nous permet d'avoir un moyen complémentaire de paiement et donc de faire un peu moins de tickets de stationnement. Donc aujourd'hui, on fait 580 000 tickets de stationnement par an. Donc vous voyez que ça représente quand même une quantité conséquente, 75 euros d'heure sur le territoire du centre-ville de Thonon-les-Bains. Et bien sûr, avec un moyen de paiement qui soit fiable, qui soit sécurisé. 1173 places de parking extérieur sont concernées. Pour le moment, une cinquantaine de personnes a déjà utilisé l'application. Avec tous ces modes de paiement, les automobilistes n'ont désormais plus d'excuses pour ne pas régler leur stationnement, à moins de conduire un quad électrique.